Cinq mois après avoir accouché du prince Louis, Kate Middleton a fait sa première sortie officielle, mardi 2 octobre. Congé maternité terminé pour Kate Middleton. Mardi 2 octobre, la duchesse de Cambridge était de retour aux affaires, cinq mois après avoir accouché de son troisième enfant, le prince Louis, le 23 avril dernier. L'épouse du prince William a choisi de se rendre dans le comté de Surrey, au sud de Londres, pour soutenir et sensibiliser les jeunes sur les questions environnementales à la Sayerscroft Forest School. Sur une vidéo postée par le compte officiel de Kensington Palace sur Twitter, on découvre une Kate Middleton radieuse, déambulant dans les allées du parc, discutant avec le personnel local. Pour l'occasion, la maman de George, Charlotte et Louis avaient opté pour une tenue tout à fait adaptée à cette première sortie officielle. Elle est apparue habillée d'un jean slim marron glacé, d'un pull et d'une parka à capuche kaki clair lui donnant une allure de cavalière décontractée. Elle a complété ce look d'une paire de bottes de la marque Penelope Silver à 475 livres. Kate Middleton porte ses bottes depuis une dizaine d'années, à chaque fois qu'elle s'éloigne du milieu urbain où elle préfère les escarpins. C'était le cas notamment en septembre 2016 lors d'une visite officielle avec son mari au Canada. Après son troisième accouchement, Kate Middleton a donc préféré prendre 5 vrais mois de congé maternité afin de revenir au top de sa forme. Après la naissance du prince George, elle ne s'était accordée que 6 petites semaines et 8 semaines après la naissance de la princesse Charlotte. Toutefois, si cette sortie du 2 octobre est sa première sortie officielle, Kate Middleton s'est permis quelques sorties privées depuis son accouchement. Le 19 mai dernier, par exemple, elle assistait au mariage du prince Harry et de Meghan Markle.